Salut, c'est Ultimate Byte, bienvenue à tous dans cette série de tutos d'initiation au serveur Linux. Avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement son contenu, sa philosophie et vous dire un peu qui je suis histoire de bien démarrer. D'abord, à qui s'adressent ces tutos ? Ils s'adressent en premier lieu à ceux qui ne connaissent rien, pas grand chose à Linux et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour bien démarrer. Typiquement, je m'adresse à ceux qui aimeraient faire des serveurs mais qui manquent de connaissances et ne trouvent pas de sources d'informations faciles à comprendre, fiables et reproductibles. Les prérequis sont quasi inexistants, si ce n'est quelques rudiments d'anglais qui est essentiel dans tous les domaines techniques. Globalement, il n'y a rien d'insurmontable dans ces tutos, mais il va falloir être un peu motivé. Car je préfère vous prévenir, il y a de fortes chances que tout ne marche pas du premier coup, mais tant que vous êtes persévérant, savez utiliser un peu de matière grise et être capable d'utiliser Google, il y a peu de chances que vous restiez bloqué indéfiniment. En tout cas, jusqu'à ce que Linux évolue trop et que mes tutos deviennent caducs. Mais en attendant, ça devrait vous donner des bases solides. On verra tout de A à Z comme j'aime le faire. Ce qu'est un serveur et comment le choisir, ce qu'est Linux, comment il fonctionne, les commandes utiles, les droits sur les fichiers, comment faire un FTP, un serveur web, comment faire des petits scripts en bash, et j'en passe, tout un programme. Sachez que je ne suis pas rémunéré pour ces tutos, je les fais simplement par plaisir de partager, et je ne gagne même pas d'argent avec les pubs YouTube, Google ayant décidé de désactiver mon compte AdSense pour soi-disant clics incorrects. Bref. Donc si vous estimez que mon travail est utile et voulez me remercier, vous pouvez faire un don sur terrageek.org, ça permettra à notre communauté de geeks de perdurer. Sinon, sur Tipeee pour m'inciter à faire plus de vidéos. Mais d'ailleurs, avant de faire un don à un inconnu, qui suis-je ? Alors pour ma part, je suis admin Linux depuis quelques années, j'ai toujours été lié de près à l'informatique. Je possède désormais plusieurs serveurs dédiés, comportant des sites web, une dizaine de serveurs de jeux et quelques autres services qui tournent proprement. Mais pour y parvenir, je ne compte plus les nuits blanches passées à diagnostiquer, apprendre, comprendre, créer et rechercher sur la toile des infos par-ci par-là. Désormais, je suis aussi co-développeur et support de Linux Game Server Managers, un ensemble de scripts en bash qui permettent de déployer et d'administrer des serveurs de jeux Linux gratuitement et simplement. On aura l'occasion de reparler du bash à un moment donné. Et un jour, moi aussi, j'étais un noob Linux et j'ai ramé à défaut de tutos à la hauteur. Du coup, j'essaye de vous simplifier la vie en espérant que vous apprécierez cette série et en sortirez comme des rocksors de Linux. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous fais des bises sur les fesses.